Salut tout le monde, c'est Geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur F1 2019 qui rentrera dans la playlist Comment bien préparer F1 2020 qui sort, je le rappelle, début juillet, le 10 juillet normalement. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment passer avec un réglage pluie, comment le créer, pas forcément de A à Z, parce que oui, j'ai déjà fait une vidéo qui vous explique un petit peu tous les réglages sur ce même jeu F1 2019. Je mettrai le lien en commentaire épinglé, en description également. En petite fiche si j'y arrive. Dans cette vidéo, ça va être quand même assez synthétique parce qu'en fait j'avais déjà testé cette vidéo hier, mais elle durait beaucoup trop longtemps. J'avais dépassé les 25 minutes et je trouve ça beaucoup trop élevé, alors que là j'ai réussi à faire un petit truc condensé et où je dis exactement la même chose. Donc j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Je tiens à préciser aussi que les réglages que je vais vous donner, ce sont mes réglages, donc ils sont adaptés plus ou moins à mon pilotage. J'ai un pilotage plutôt smooth, hein, vous le voyez de toute façon, avec cette petite caméra embarquée, avec la Ferrari, pas trop de coups de volant, et pourtant on est sous la pluie. C'est un petit peu un défaut que j'ai parfois, c'est que je suis trop passif, mais je vais essayer de régler ça au plus vite, et voilà. Donc pour les vidéos tuto, elles vont bientôt arriver, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment rouler plus ou moins bien sous la pluie, et... tout ce qui a un rapport de près ou de loin sous la pluie, les départs et tout. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Une vidéo qui va arriver prochainement aussi, ça va être sur comment enlever les aides et par quoi commencer et tout. Je vais vous parler de mon parcours. En tout cas, merci à tous, n'hésitez pas à like pour le travail effectué. N'hésitez pas à partager et bonne vidéo. Nous voilà dans les stands et maintenant on se retrouve sur le menu des réglages. Alors une chose aussi que je voulais préciser avant tout, c'est tout simplement, la plupart du temps quand je vois des gens qui connaissent pas trop et qui n'ont pas trop envie de s'attarder sur des réglages, qui testent tout ce qui est écrit, par exemple vitesse de pointe maximale, vitesse de pointe accrue, par défaut ou accrue, maximale, appui et tout. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que tous ces setups ils sont bidons. En fait pour moi c'est même pas des setups, c'est des pré-réglages, tu vois, c'est même pas une base je trouve, mais... faut quand même avouer que le setup fixe est plutôt pas mal. Il apporte quand même des trucs assez intéressants. Mais bon, à un moment donné, si tu veux aller chercher la limite, c'est pas possible. Tu peux te prendre 2 secondes autour avec un setup comme ça. Mais par exemple, là on parle de setup pluie. Mais celui qui va se rapprocher un petit peu plus de ce que je vais vous proposer dans cette vidéo au niveau de mes réglages, c'est l'appui accru. Donc voilà, on va se retrouver par exemple avec du 8-9 au niveau de l'aéro. La transmission, ça c'est n'importe quoi, mais si vous jouez avec les aides, vous pouvez, au niveau de l'antipatinage, vous pouvez tout simplement monter tout ça, hein, pour ceux qui jouent avec l'aide, comme je le dis. Moi, la plupart du temps, je vous montrerai tout à l'heure, mais je reste toujours sur la même valeur. Au niveau de la géométrie de suspension, vous connaissez la chanson, mais non, on est sur du droite-droite, gauche-gauche. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je ne vais plus du tout toucher à la géométrie des suspensions. Au niveau des suspensions, on va se retrouver un petit peu plus dans des valeurs élevées au niveau d'ici. Et ici, ça va varier entre des extrêmes et des choses faibles. Et au niveau des suspensions, on ne va pas dépasser une certaine valeur, vous verrez tout à l'heure. Et au niveau des freins, ça aussi c'est personnel, mais c'est un bon conseil que je peux vous donner, c'est ne dépassez pas une valeur supérieure à 88%. Vous allez jongler entre du 88 et du 80%. Et au niveau de l'équilibrage des freins, je ne vais jamais descendre en dessous des 58%. Enfin, je vais toujours descendre en dessous des 58%, mais jamais monter au-delà. Sinon, vos pneus à l'avant vont tout le temps bloquer. Et c'est vraiment pas ce qu'on a envie d'avoir sous des conditions pluvieuses. Ensuite, au niveau des pneus, je vais toujours descendre au minimum. Ou alors, si je vois que ça passe, je peux me permettre d'augmenter 1 ou 2 crans. Mais vraiment, la plupart du temps, je vais être au minimum. Ensuite, on revient rapidement vers la transmission. Et pour ceux qui jouent sans aide, moi, je vous conseillerais tout simplement de descendre en 50-50 ou 50-60. La plupart du temps, moi, j'ai du 50-60, voilà. Après, vous pouvez monter, mais testez avant, parce que sinon, vous allez avoir une voiture inconduisible. Donc voilà au niveau des prérequis et des choses auxquelles je ne change pratiquement rien. Et on va directement s'attarder à l'aérodynamique. C'est parti. On va tout simplement la diviser en 3 parties. On va avoir des hautes valeurs aérodynamiques, des équilibrées et des faibles, hein, comme je l'avais fait lors de la vidéo des réglages sur piste sèche. Mais en valeur haute, on aura 4 grands prix. On aura les USA, Monaco, la Hongrie et Singapour. Donc voilà, hein, des circuits où on tourne énormément.
Après, les USA, ça sera plus des valeurs sur du 7-11. Ensuite, pour les valeurs des autres Grands Prix comme Monaco, ça va être plus aux alentours des 9-11. Comme ça, pas de problème pour les virages. On peut les prendre tranquillement. Il y a peu de lignes droites, voire quasi pas. Hein. Monaco, c'est limite pas des lignes droites qu'on a. Ensuite, au niveau des valeurs équilibrées, on en a le plus gros nombre, en fait, je pense, pour les circuits à valeur équilibrée. Mais on va se retrouver entre des valeurs entre 4-11, qui est quand même beaucoup sur du setup sec, mais pour la pluie ça reste équilibré, et du 6-11. Donc vous allez retrouver dans ces eaux là en 4, vous allez retrouver la France, Silverstone, la Russie, la Belgique, le Canada, Bakou. En 5, vous retrouverez l'Autriche et la Chine. Ensuite, en 6, vous allez retrouver l'Australie, l'Espagne, le Japon. Et si vous voulez descendre, par exemple, pour les USA, vous pouvez retrouver les USA qui vont se retrouver en équilibré avec du 6-11. Après, en Australie, vous pouvez avoir du 6-9 si vous voyez que c'est trop épais élevé, en fait. Après, en Espagne, on a déjà un setup très stable sur le sec. Vous pouvez vous mettre en 6-10, c'est très très bien. Et au niveau des valeurs faibles, on va se retrouver entre du 2-4 et du 5-9. En 2-4, forcément, vous le savez, on a l'Italie. Forcément, il faut être très rapide en ligne droite pour pas perdre de temps. En Allemagne, on va augmenter un tout petit peu plus, mais pour être rapide quand même dans la ligne droite avant l'épingle. Et au Mexique, pareil, on va descendre en 4-9. Et au Brésil, on va se mettre en 3-7. Voilà, comme ça, la dernière ligne droite, on va pas perdre tout le temps vu que c'est un secteur, la ligne droite de départ-arrivée. Donc voilà, au niveau de l'aéro, ce qu'il faut retenir, c'est les trois rubriques, et à partir de ce moment-là, vous pouvez juger comme vous voulez. Après, comme je le dis, il faut s'entraîner, il faut tester. On a la chance d'être en virtuel et pouvoir recommencer autant qu'on veut, donc autant en profiter. On va aller directement sur les suspensions maintenant. Pareil, il y aura des valeurs hautes et des valeurs équilibrées et des valeurs faibles. Alors en valeur haute, on va retrouver trois grands prix. On aura la France, l'Allemagne et l'Australie. On va se retrouver par exemple dans des valeurs en 5-7 pour la France. On va jamais dépasser le 9, même si le 9 c'est quand même beaucoup. Et on le retrouvera ça pour l'Australie avec du 7-9 et l'Allemagne en 7-6. En tout cas voilà, pour les valeurs hautes, en valeur équilibrée, on va retrouver pas mal de grands prix avec des valeurs qui sont comprises entre 3-3 et 5-5. Donc forcément c'est des valeurs faibles au niveau du chiffre, mais assez hautes par rapport à du setup sec. Donc voilà, on va se retrouver par exemple au Canada avec du 3-3, à Monaco, au Japon pareil. On va retrouver du 4-4 en Chine et à Bakou, avec également Silverstone dans des extrêmes avec du 3-5. Je crois que c'est celui qui a le plus d'écart. Et après on va retrouver pour le Grand Prix de Singapour et le Grand Prix de Russie à du 5-5. Donc voilà au niveau des setups équilibrés. Et au niveau du faible, on va jongler entre du 3-2 au maximum et du 1-1. Et forcément, l'Italie, vous vous en doutez, c'est le 1-1. Ensuite, on va se retrouver avec des valeurs faibles pour l'Autriche avec du 2-1. On aura également le 3-2 pour tout ce qui est le reste. Belgique, USA, Espagne, Hongrie, Mexique et Brésil. Donc voilà au niveau des setups avec des valeurs faibles au niveau des suspensions. On s'oriente maintenant juste en dessous sur la rubrique du duo barre anti-roulis. Donc pareil, on aura des valeurs hautes avec par exemple la Chine, très très important avec tout ce qui est escargot et tout. Même si voilà, le barre anti-roulis, mine de rien, sur le sec on voit pas trop le changement, mais c'est quand même sur les conditions pluvieuses qu'on ressent un petit peu la différence. Donc moi je vous conseillerais en Chine et à Bakou de mettre du 8-11 ou de jongler en 9-9, 8-10, enfin des trucs comme ça. Par exemple au Bakou, moi je suis en 11-8. Après en Belgique, vous pouvez retrouver des valeurs équilibrées en 10-10, 11-11, comme vous voulez. Avec également le Japon, vous basculez un petit peu plus l'avant en avant. Comme ça, hop, du 6-10, c'est très très bien. Et à Monaco, extrême dans les valeurs 3-11 ou 3-10, ça passe très très bien. Voilà pour les valeurs hautes, on va passer aux valeurs équilibrées où on a aussi très peu de circuits. On aura seulement la France, le Mexique et le Canada. En France, vous retrouverez des valeurs en 6-8 très équilibrées qui ressemblent un petit peu au setup de base. On aura le Mexique avec du 9-5 et également le Canada à peu près dans ces eaux-là avec du 9-4, voilà, pas de problème. Enfin, inversé, pardon, du 4-9. Et enfin, le plus gros, c'est les valeurs faibles qui vont se rapprocher un petit peu plus de ce qu'on a sur du setup sec, même si ça reste à nouveau des valeurs élevées. Pour les valeurs faibles, on va retrouver maintenant tous les autres Grands Prix. On aura par exemple en 4-4, 4-6 et tout, l'Espagne, Silverstone, l'Allemagne et Singapour. En valeur un petit peu plus élevée, par exemple l'Australie, on aura du 7-3. Voilà, je crois que c'est le plus extrême dans les setups faibles. Ensuite on aura du 5-5 avec le Grand Prix des États-Unis, l'Autriche,
Et voilà, il me semble que c'est tout. Et en descendant un petit peu plus, on peut retrouver tout ce qui est Hongrie, Abu Dhabi. Et encore plus faible, en 2-2, on peut retrouver le Brésil et l'Italie. Et la Russie également, qui peut se retrouver en 3-3 ou en 2-2. C'est comme vous voulez. Donc voilà, c'est tout pour les barres anti-roulis. De toute façon, voilà, vous avez un petit peu des fenêtres à respecter par rapport à chaque circuit. Mais tout n'est pas fixe. Il faut vraiment quand même assez bien respecter tout ce qui est en valeur haute. Parce que sinon vous allez avoir beaucoup de mal. En tout cas, moi, c'est juste des petits conseils que je vous donne. Et maintenant on va passer sur la garde au sol. Au niveau de la garde au sol, on va avoir très très peu de changements. C'est un petit peu comme la transmission et tout, mais il va en avoir un tout petit peu. Mais la plupart du temps, pour la plupart des circuits, on va se retrouver en 11-11. Je vais vous faire quand même la petite liste. On aura la Chine, Bakou, Canada, Silverstone, Belgique, Singapour, Italie, Japon et Mexique. Ensuite, on peut descendre un petit peu pour l'Australie en 10-11, 10-10, pour les USA et Monaco et la Hongrie, par exemple en 9-11, 9-10. Ensuite, pour des valeurs un petit peu plus équilibrées, même si c'était compliqué quand même de dire que c'est équilibré, on aura du 8-11 pour la France, l'Autriche, Abu Dhabi, le Brésil, pareil, du 8-11, ça passe bien, l'Espagne également. Et pour des valeurs un petit peu plus faibles, on aura l'Allemagne avec du 6-9, ou alors la Russie, pareil, en 6-8 ou 6-9. En tout cas les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura vraiment aidé. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vraiment c'est le cas, ça fera énormément plaisir de voir un petit peu vos retours. N'hésitez pas à me donner aussi des conseils pour des petits tutos avant la sortie de F1 2020. En tout cas j'ai une bonne liste, donc n'hésitez pas à me le dire, peut-être que ce que vous me proposerez je l'aurai pas. En tout cas merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à like, n'hésitez pas à partager. Et rendez-vous sur Twitch pour la suite de la carrière sur Singapour. Peace.